Salut tout le monde! Vous connaissez sûrement la mue chez les serpents, mais saviez-vous que les amphibiens aussi muent? Donc, Albi, le serpent, a le corps recouvert d'écailles et quand vient le temps de muer, c'est la couche externe de l'écaille qui va se décoller partout sur son corps, même son œil, là. Il va commencer par la tête. Et il va se frotter sur les objets autour de lui, comme une roche par exemple, pour vraiment aider à décoller le tout. Et ça s'enlève souvent tout d'un morceau, un peu comme quand on enlève un bas. Donc ça se déroule. Merci Albi pour la démonstration. Chez les amphibiens, la peau est nue et sert en partie à la respiration. Chez plusieurs espèces, elle contient aussi des glandes à toxines. Donc la peau, elle va jouer un rôle vraiment important. Ils vont donc muer plus souvent. Quand vient le temps de la mue, chez les amphibiens, ben c'est comme chez les reptiles, c'est-à-dire que c'est la couche externe de la peau qui va décoller. Sauf que les amphibiens vont l'enlever eux-mêmes. Au début, leur corps devient tout humide, ils ont l'air gluants. On le voit bien chez le crapaud. Ensuite, ils vont ouvrir la bouche à répétition. Ça tire sur la peau. Ils vont s'aider aussi en faisant des contorsions du corps ou en frottant avec les mains pour décoller la peau. Et puis là, la peau, en fait la mince couche externe de peau, transparente, va se décoller. La mince couche de peau des amphibiens ressemble un peu à un papier saran wrap, un papier d'emballage. Donc, les amphibiens... Échauffe-toi pas! Va décoller la peau. Et ils vont la manger. Ce phénomène fabuleusement mimé par Jean-François s'appelle la dermatophagie. Donc dermato pour peau et phagie pour manger. Et dans la communauté scientifique, la théorie la plus répandue, c'est que les amphibiens mangeraient leur peau parce qu'il y a des éléments nutritifs à l'intérieur de la peau, donc ils en retirent des bienfaits. Notamment, il y aurait des protéines. C'est super. On va manger notre peau. Chez les amphibiens qui muent dans l'eau, on voit beaucoup mieux. La peau, l'exuvie en fait. Donc regardez chez ce wawaron, la vieille peau et ce triton vert qui se tortille pour enlever son exuvie. Il bouge de tous les côtés pour habituellement la manger. Mais là, juste pour nous jouer un tour et décider qu'il la mangeait pas, on la voit très bien. Regardez la vieille peau. Faut dire aussi que nos animaux sont très bien nourris. Même si les amphibiens muent souvent, c'est très difficile de le voir parce que ça se passe très vite. Donc en nature, c'est presque impossible de pouvoir observer ce phénomène-là. Mais en captivité, ça nous arrive quelques fois par année de pouvoir observer et filmer une mue d'amphibien. Et on est super content de le partager avec vous. Et n'oubliez pas, dermatophagie, un nouveau mot dans votre vocabulaire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions d'utiliser le mot, mais bon. À la prochaine! À la prochaine!